Alors bonjour les amis, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto dédiée au minage par microprocesseur. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cet épisode, on va aborder une nouvelle pépite crypto à miner avec vos CPU. Alors installez-vous confortablement, je vous dis tout et bienvenue sur Black Panda Mining TV. J'espère que vous allez bien. Nous revoici encore dans l'actualité pour une nouvelle pépite crypto à miner avec vos CPU exclusivement. Donc, comme vous avez pu le voir en préambule dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler d'un projet qui vient de sortir, alors qui me rappelle étrangement dans la famille des Randomix, encore une fois, du Zephyr. Rebelote encore, alors c'est une nouvelle blockchain, hein, effectivement. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, le dev serait ce serait des Chinois derrière, en fait, hein, derrière la création de ce projet-là. Donc, qui a l'air carré, mais surtout qui serait un prolongement de ce qui avait été abordé au travers d'un Monero. Donc, clairement, on peut le positionner en tant que futur, on va dire, concurrent d'un Monero. Ils ont bien monté le projet. Alors, il y en aura certainement qui vont crier encore au scam. On s'en fiche. Hein. Là, pour le coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous identifier des projets qui peuvent être intéressants dans l'instantanéité du minage, puisque là, l'objectif, c'est quand même d'essayer de rafler hein, du coin, puisque sur cette chaîne, je rappelle, hein, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en avant le minage par microprocesseur qui permet, pour certaines personnes qui ne connaissent pas le minage, de s'apercevoir qu'avec leurs microprocesseurs, que ce soit des Intel ou des AMD Ryzen, hein, de pouvoir miner et puis bah, bien souvent de pouvoir s'arrondir des petites fins de mois avec cette nouvelle stratégie hein, qui est un peu finalement la nouvelle dynamique du minage pour 2024, hein, qui est bien souvent d'être très early, comme on dit, donc d'être assez tôt sur des projets avant même qu'ils soient listés sur Exchange, pour que quand effectivement vous avez miné au préalable ces coins-là, eh bien quand ils sortent au niveau de l'Exchange avec un certain prix, bah, vous permettent de faire une super belle bascule. Et j'en veux pour preuve de belles performances l'année dernière pour un Zephyr justement où ça a été stratosphérique en ce qui me concerne. Mais pas que, il y a aussi dans le domaine d'autres algorithmes, hein, parce que là on parle d'un Randomix, hein, mais on peut parler aussi de Ghost Rider, sur lequel il y a eu pas mal de pléthore de projets, et où d'ailleurs on s'aperçoit quand on va sur un site comme hred.no qui s'est mis enfin à proposer donc dans sa rubrique un CPU calculateur, vous permet de pouvoir identifier en fonction de votre processeur et ben finalement si il peut être rentable et puis qu'est-ce qu'il peut vous rapporter. Et puis donc quand vous le pré-sélectionnez par exemple, hein, parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui ont des Intel, mais c'est la famille souvent des Ryzen, des AMD qui sont les meilleurs pour pouvoir performer dans le minage assez simplement hein, du CPU. Et puis on peut voir qu'il y a voilà, du Ghost Rider, du Randomix, hein. Et puis pour chaque algo bah, correspond en fait une crypto, et puis en fonction du coût de l'électricité, bah, comme vous savez, qui est assez important, une fois déduite, bah, vous permet de voir au niveau du calculateur bah, de combien ça peut rapporter environ par jour, hein. Donc là, on voit principalement, encore une fois, c'est Ghost Rider qui tient un peu le haut du pavé en termes de rentabilité. Mais ça, encore une fois, bon, il y a toujours une paire de plusieurs cryptos qui vous permettent de pouvoir vous projeter, de voir un peu. Mais ça, si vous voulez, c'est ce que j'appelle du minage encore, hein, un peu comme dans les GPU, de vouloir espérer à ce que ce soit du stable, du linéaire, et c'est plus le cas. Et donc, bien souvent, l'alternative à ce minage qui serait assez linéaire, et puis d'être obligé de jouer avec tel ou tel crypto pour obtenir toujours le niveau de profit intéressant, n'est pas suffisant. Donc, on passe sur une stratégie qui est maintenant dite early, hein, et sur lequel on essaye d'identifier plusieurs projets, sur lequel, ben, effectivement, on est en avance. Et c'est un peu aussi l'objectif de la chaîne que de pouvoir vous
présenter certains projets qui sortent, hein, et puis bah, bien évidemment, en fonction de ça, bah, pouvoir vous expliquer comment on peut les miner, et puis si éventuellement, bon, bah, ça peut le faire. Alors, ce projet-là, donc, on a 18 millions de tokens dans la supply, ça a l'air d'être pas mal. Moi, j'y étais hier soir. Ils ont prévu un trade-off pour l'exchange, donc tant mieux. On verra aussi s'il y a du Xegex, hein, parce que souvent Xegex est assez connu, notamment pour pouvoir miner de la crypto. Maintenant, bon, à voir, hein, ça peut le faire, hein, donc c'est toujours bon à prendre. Enfin, en tout cas, moi j'essaie de vous le partager, et donc on peut miner cette crypto-là sur Airplan. La célèbre. Donc vous retrouverez sur la pool Airplan, puisque donc on doit aller sur une pool de minage pour pouvoir aller identifier l'endroit sur lequel on peut la miner. Donc ça s'appelle une pool, hein. Et puis une fois que vous êtes sur cette pool là, et ben vous essayez de chercher le token, et puis en fonction donc du token dont on parle, Airplan, qui est la pool qui propose de pouvoir le miner dessus, vous donne toutes les informations donc dans la rubrique Connect. Alors, avant toute chose, on va revenir sur Airplan pour pouvoir aller chercher les informations. Il faut que vous puissiez vous monter votre portefeuille. Donc, je mettrai en lien dans la description, bien évidemment, comment vous téléchargez le portefeuille. Mais enfin, assez simplement, vous pouvez aller sur le site internet, et puis donc vous avez deux versions sous Windows par exemple, hein, du portefeuille. Et bien souvent on prend le GUI, puisque le GUI est assez convivial, hein. Donc je vous laisserai vous l'installer, il vous demande une passe-phrase, vous prendrez la version assez simplifiée du portefeuille, qui vous ne nécessite pas forcément de vous télécharger toute la blockchain sur votre PC. Enfin, ça reste à votre choix. Et puis une fois que vous avez téléchargé votre portefeuille, eh bien, vous n'avez plus qu'à récupérer cette adresse de portefeuille pour pouvoir vous la créer dans votre logiciel de minage. Alors bien souvent c'est iOS, pour ceux qui commencent à avoir plusieurs processeurs, mais vous pourrez très bien le miner de façon individuelle sous Windows. Et là, dans ce cas-là, il faudra vous télécharger un mineur. Et puis bah, bien évidemment, souvent les mineurs sont disponibles. Alors là, quand vous allez sur Airplan, vous avez la section ici des mineurs. Et puis quand vous cliquez ici, ce qu'on appelle des mineurs, c'est le logiciel de minage, qui sont gratuits, hein, bien sûr. Vous pouvez vous présélectionner le mineur. Alors pour Randomix, je conseille assez régulièrement du XMRig, hein, et puis SRB Multi est assez bien aussi, hein, donc au choix. Mais là, on va le faire aujourd'hui sur XMRig. Donc une fois que vous êtes donc téléchargé cette fameuse wallet, donc ce portefeuille avec donc Tabo, qu'on appellera comme ça, vous allez donc aller sur votre iOS. Et puis donc sur iOS, je vais vous montrer comment faire votre flash sheet. Alors vous allez tout simplement, donc là je vais prendre un exemple, je suis sur un 7900X15. Randomix, au passage, j'ai oublié de préciser, est un algorithme sur lequel vous devez avoir beaucoup de RAM. Si vous avez les anciennes générations de 3900X, je conseille au minimum 16 Go de RAM. Si vous avez des 3950X ou des 5950X, c'est minimum 32 Go de RAM pour être au maximum de la vitesse donc de HRET pour ce type de processeur, qui est autour des 15K, hein. Donc d'ailleurs, si je refais vite fait un petit comparatif avec un 3950X, si je prends celui-là, on est à combien? On est à 15K aujourd'hui, hein, aussi. Donc voilà, et j'ai 32 Go de RAM pour un 3950X. Et bon, pour la nouvelle génération des 7900X 15, pardon, je dis 15 parce que j'ai tendance à lui donner un numéro, mais c'est 7900X. C'est pareil aussi, 32 Go, ça suffira. Qu'importe la latence, là, je dirais au niveau de Randomix, hein, CL16, n'importe quoi. CL40, ça suffira très bien pour cette génération de processeurs, 7900X. 32 Go de RAM au minimum pour ce qui est des 7900X. Et puis des 7950X, c'est pareil, hein, 32 Go de RAM, ça passera aussi le parcours. Et puis donc dans la feuille de route, alors c'est là où on va dans le vif du sujet. Vous allez donc vous créer au préalable le portefeuille avec le code du token Tabo, T-A-B-O. Une fois que vous êtes créé votre portefeuille, donc en ayant d'abord téléchargé votre wallet, vous le retrouverez ici. Et puis on va donc cliquer sur la rubrique feuille de route. Et puis on va surtout aller chercher donc pendant ce temps-là sur la pool Airplan les informations nécessaires. Donc quand vous êtes sur Connect, hein, sur la pool Airplan, donc à l'onglet Tabo,
Vous avez en bas ici, donc vous choisissez les différents mineurs, donc vous choisissez XMRig. Ensuite, comme on est sur iOS, ça pourrait être Windows, hein, donc là on est sur iOS, on prend Linux Mint. Vous choisissez la zone Europe, hein, puisqu'on est en Europe. Et puis là, en utilisant une connexion SSL qui est plus sécurisée, donc n'hésitez pas à cocher dessus, AirPlan vous sort ici là ce qu'on appelle un string, donc un lien pour pouvoir l'intégrer dans votre feuille de route pour le télécharger. Donc il suffit tout simplement de le copier. Hein. Et puis à partir du moment où vous êtes sur iOS, vous allez vous appliquer donc dans la rubrique configuration du mineur l'adresse de cette poule là. Alors s'il veut bien, parce que là la vidéo tourne en même temps, me donner la main. Ici vous voyez que donc dans la rubrique algorithme, il faut bien sélectionner RandomX, hein, qui est donc l'équivalent de ce qui est utilisé comme algorithme pour Monero, forcément, puisque Monero c'est à l'initiative de ce projet là. Avec cet algorithme RandomX, hein, donc il y aura RandomX XMR, donc vous choisissez RandomX XMR, hein, c'est pas un problème. Au niveau du modèle de portefeuille, vous sélectionnez bien Wealth, alors pas Work Name, parce que sinon vous ne verrez pas dans la poule. Donc ici au niveau du mot de passe, vous indiquez bien Work Name plutôt, mais ici vous laissez bien que Wealth. Et puis bien évidemment, ici vous copiez, vous collez l'adresse de la poule qu'on a préalablement copiée. Sur AirPlan, vous indiquez bien 1.2.4.8. Quand vous avez le point d'exclamation, il y a marqué 1.2.4.8. Vous cliquez dessus. Et puis au niveau de la configuration de base, hein, il suffit tout simplement de cliquer sur le point d'exclamation et il vous donne aussi le raccourci. Et puis bien sélectionner CPU on. En dessous, vous avez la rubrique donation. Donc surtout en termes de commission, vous mettez 1 parce que vous voyez par défaut il propose 5. Vous vérifiez bien que c'est bien la dernière version. Et puis bim, send up to the moon comme on dit. Donc vous envoyez sur la lune. Et puis à partir de ce moment-là, c'est parti, vous avez donc tout simplement cette vitesse de la shred qui est indiquée. Alors là, j'ai pas la version bêta, hein, donc c'est pour ça que les températures sont pas indiquées. Pour l'instant, j'en veux pas. Mais donc ça vous donnera cette vitesse-là. Et puis après, à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à aller sur la poule AirPlan. Et puis donc avec l'adresse de votre portefeuille, et bien tout simplement, vous n'aurez plus qu'à taper l'adresse de votre wallet. Je recherche toujours AirPlan, voilà, ici. Et puis à partir du moment où ici dans cette rubrique dans la wallet vous copiez, vous collez votre adresse, vous aurez vos indications donc de hashrate, combien vous avez de coins qui tombent. Alors faut se dépêcher, hein, 339 mineurs. Hein. Les gars, c'est maintenant, c'est early, c'est tout de suite, hein, puisque bientôt après, ce sera peut-être trop tard. Hein, donc, en tout cas, moi, je vous partage l'information, je vous la délivre, puis j'espère qu'elle vous permettra de vous faire des petits, puis surtout de faire une belle bascule sur cette opération spec mining, comme on appellera hein, ça. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à aller sur mon Discord, qui est donc en page d'accueil, le lien est en page d'accueil de la page YouTube. Et puis on a toute une équipe de geeks qui sont là, vous verrez, ils sont super sympas et qui rendent bien service. Et donc il y a des rubriques support technique hein, sur lesquelles on peut vous accompagner, et aussi la rubrique épisode de la chaîne, bien souvent sur lequel vous retrouvez toutes les données que vous auriez besoin. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon mining surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre fidélité à Black Panda Mining TV.